Bonjour et bienvenue dans ce premier numéro de récap post-confinement. On est ravis de vous retrouver enfin à l'air libre et sous un beau soleil, mais toujours en respectant les gestes barrières, la distanciation physique et le port du masque. Masque dont il est question depuis le début de la semaine sur tout le territoire de la commune, puisque des agents et des associations vous les distribuent directement dans votre boîte aux lettres. Ce dispositif sera complété ce week-end par 4 points de distribution sur la commune. Vous retrouverez toutes les informations à la fin de ce numéro. Vous retrouverez également des images de la réouverture des maternelles et des primaires et également de la réouverture progressive des marchés dans la ville. On vous laisse avec les images et on vous retrouve en fin de récap. Nous avons reçu monsieur l'inspecteur d'académie, monsieur Mélang. Il y avait également présent madame l'inspectrice de l'éducation nationale, madame Mounier. Ensuite, monsieur le maire. Nous avons visité les différentes classes. À savoir que dans l'école, nous avons instauré un sens de circulation, c'est-à-dire que nous avons un escalier où les élèves montent dans la classe et un escalier où les élèves descendent. Nous avons 3 rotations de récréation. Il faut savoir que les enfants, quand ils vont en récréation, doivent se laver les mains, passer aux toilettes, se relaver les mains, au début de la récréation et à la fin de la récréation, avant de remonter en classe. Nous avons le même schéma. Étant donné qu'il y a 2 toilettes à chaque étage, nous avons été obligés de faire des récréations de 20 minutes et nous avons 3 zones d'accueil pour les enfants. Nous avons adopté le système aussi d'accueillir les enfants, des groupes d'enfants, une semaine sur 2. Voilà. Donc, actuellement, sur site, j'ai 8 enseignantes présentes et j'ai les 7 autres enseignantes qui sont en télétravail. Voilà. Et la semaine suivante, les 7 enseignantes qui étaient en télétravail vont accueillir d'autres groupes d'enfants et les enseignants qui étaient présentes cette semaine seront en télétravail. Les enfants sont plus respectueux des gestes barrières que les adultes. Contrairement à ce qu'on peut voir dans les journaux télévisés ou en se promenant dans la rue, bien les enfants sont très respectueux. J'ai même un enfant ce matin qui était dans le couloir en train de monter dans la classe et l'élève qui était derrière lui était trop près et il lui a dit gentiment « tu ne respectes pas la distanciation ». Donc même dans la cour de récréation, je pense que pour l'instant tout se passe bien et je voudrais que ça continue ainsi parce que je veux que les enfants reviennent avec plaisir à l'école.
Voilà, la récap se termine ici à l'Esplanade Marine, qui est un des 4 points de retrait pour ce week-end. Retrouvez la liste des points retrait directement sur lecenois.fr. On vous souhaite un excellent week-end. Continuez à appliquer les gestes barrières, la distanciation physique et profitez aussi, si le temps le permet, des 100 km de liberté qui nous sont octroyés. Soyez respectueux en vous protégeant. Vous protégez aussi les autres. Excellent week-end. À très bientôt. Au prochain épisode. Ciao, ciao. J'essaie de... Voilà. Alors, attends. Non, ça part. Et on se mouche dans le coude. Ou celui-là, comme vous voulez. Alors, attention. 3, 2...